Bonsoir tout le monde, c'est avocat Bianca. Devrais venir faire une vidéo pour nous bien vite sur charge publique. T'as eu en pile discussion sur charge publique dans semaine ça. Nous devrais faire une vidéo bien vite pour nous, pour nous expliquer nous qui changement qui a passé avec qui gens ça a affecté dossier New York. Avant de commencer à parler de changement, j'ai juste voulu parler un petit histoire de qui j'en charge publique l'entayé. So, charge publique, ce n'est pas une loi qui est nouveau. Nous avons toujours eu ça dans l'immigration. Lorsqu'on essaie d'entrer aux États-Unis avec un visa ou bien un cas de résidence, il faut qu'on montre l'immigration que vous méritez d'entrer aux États-Unis. Et puis, il y a une liste de choses qui, si vous appliquez sur vous, vous ne méritez pas d'entrer aux États-Unis. Par exemple, si vous avez une maladie, vous avez une maladie qui a empêché d'entrer aux États-Unis, vous avez un crime sous fait, vous avez un crime ou fait qui a empêché d'entrer aux États-Unis avec un visa ou un cas de résidence. Et puis, vous avez une loi à charge publique. La so, charge publique, c'est un test d'immigration fait avec vous pour savoir si vous qui a essayé d'entrer aux États-Unis. S'il y a une charge publique. So, ça veut dire que si vous entrez aux États-Unis, est-ce que vous pouvez venir pour recevoir un bénéfice public? So, l'année passée, le gouvernement a dit qu'il a changé qui gens ont fait test. Il a toujours fait test, mais l'immigration dit qu'il a changé qui gens ont fait test. Et puis, il a dit que il a fait ça commencé 15 octobre 2019. Mais il y a un pile code qui était décidé, qui n'était pas d'accord avec le gouvernement, c'était stoppé, c'est où on va commencer. So, lundi, ça a passé, hein? Lundi qui fait passer, hein? Quand on dit que non, le gouvernement doit faire loi charge publique, là. Et puis, so, nous allons commencer à faire ça pour tout le monde, excepté le monde qui était à Chicago. Et puis, le gouvernement, hier soir, a dit qu'il a commencé loi à 24 février 2020. So, qu'on y a besoin de discuter avec nous qui est capable affecté dans charge publique là. So, moins capable affecté, c'est seulement moins capable essayer entrer aux États-Unis avec un visa ou bien carte de résidence qui a pas appliqué dans mais en mon famille. So, par exemple, si on essaie de une carte de résidence dans mes mari ou bien mes maman ou bien mes petits tout, charge publique là a pas affecté. Si vous êtes un monde qui déjà gagné un cas de résidence, mais vous quittez les États-Unis pour plus que 180 jours, l'OAPC est réentré aux États-Unis, l'immigration a fait un point testant pour savoir si vous parlez en charge publique. Et puis si l'immigration voit que vous pensez que vous parlez en charge publique, vous avez décidé de révoquer le cas de résidence ou prendre le cas de résidence ou pas quitter ou réentrer. Donc, so, on a besoin de discuter avec vous qui est-ce qui n'est pas affecté dans le changement. Ça, moi, j'ai un pile note avec moi. So, moun ki pa afekte, se sitwanyen Ameriken, moun ki deja gen TPS, moun ki gen DACA, moun ki se refuji ou bien moun ki gen asil, moun ki gen kat rezidans deja ki kite Etats-Unis pou plus ke 180 jou, moun ki gen visa spesyal pou moun ki viktim, gen pe krim sou son viktim krim yo ka jwen an spesyal visa ki ka pemet ou jwen kat rezidans apre, moun ki se viktim violans domestik, moun ka bese jwen kad rezidans paske yo kuben ou bien yo kwalifiye pou MP program spesyal pou kek Haitien, moun ki genyen on lot viza spesyal, moun sa yo pa pa afekte nan lwa chaj publik lan. So koun yon vle diskute ki benefis ka pa afekte nou. So, bénéfice qui n'a pas affecté nous si nous gagnons bénéfice public, ça a bien essayé d'appliquer pour carte de résidence, qui bénéfice qui n'a pas affecté nous? Medicare n'a pas affecté nous, mais Medicare n'a pas affecté nous si nous avons utilisé lui pour emergency. Donc, par exemple, soit dans l'hôpital, dans l'emergency room, ça n'a pas affecté nous. Si vous avez des gens qui l'école, et puis vous parlez, vous avez des gens bien petits qui parlent dans l'école, a mi a fait commencer l'école, ça n'a pas affecté eux. Si vous êtes immigrant et puis vous avez moins que 21 ans pour un Medicaid, ça n'a pas affecté eux. Avec si vous êtes enceinte, ou bien si vous avez un Medicaid, vous abusez pendant enceinte, ou bien vous abusez 60 jours après vous accoucher, ça n'a pas affecté eux. L'autre bénéfice qui n'a pas affecté eux, c'est food stamp avec Section 8 ou bien
bénéfice pour CAI, donc public housing, bénéfice pour long term care, donc sous son grand monde, sous son petit grand monde nursing home, ça a un peu pas bénéfice, ça a affecté, avec si recevoir bénéfice cash. Si vous n'avez pas un bénéfice qui cash, vous n'avez pas fait pour accepter. En pile, moun pense, si vous avez un bénéfice, est-ce que vous devez quitter le Kounia? Non. Si vous avez un bénéfice, pas juste aller quitter le bénéfice à cause de besoin de résidence. Parce que vous avez un pile immigrant qui recevoir un bénéfice, qui n'est pas affecté dans le changement de loi qui a passé. Et puis, une autre question moun kon mwadim, c'est que si vous n'avez pas avec un moun, qui recevoir un bénéfice, est-ce que ça va empêcher les gens en cas de résidence? So, par exemple, si vous entrez sous son monde qui n'a pas de papier, qui n'a pas de statut aux États-Unis, et puis vous avez un petit monde qui est citoyen américain, et puis vous jouez un food stamp pour petit monde, est-ce que ça va empêcher les gens en cas de résidence de leur arriver pour appliquer? Non, parce que petit monde, c'est citoyen américain, bénéficiant, c'est pour petit monde, c'est pas pour même lié comme migrant, so, ça pas affecté, ça pas empêché ou joindre un cadre de résidence. So, si ou son monde qui besoin appliquer pour un cadre de résidence, et pourquoi que changement ça a pour l'affecter, moi t'as encouragé ou pour t'appliquer pour t'avoir une application à aller avant 24 février 2020, parce que là ça changement pour commencer. Et puis, je t'encourage à appliquer tout parce que l'immigration déjà dit nous qu'il y a monté frais pour l'application. Et puis, une application qu'il y a monté frais, c'est pour quatre résidences. So, kounya, soit PC, je veux quatre résidences, la mère, mari, ou bien petit, ou bien maman, et pour États-Unis, frais, c'est 1 760 $. L'immigration monte frère parle presque 2 200 $ comme ça. Et puis, pas de fee waiver pour application ça. So, si vous connaissez que vous avez besoin d'appliquer pour quatre résidences, encouragez à faire ça bien vite avant charge publique de commencer et puis avant frais monter pour application. Si vous connaissez que vous n'avez pas vraiment appliqué pour quatre résidences avant 24 février, je t'encourage à parler avec un avocat immigration qui t'a expliqué où, qui ça a passé, qui papier, qui document a besoin de commencer à assembler pour qu'à préparer, leur préparer pour avocat qui a juste voué l'application aller bien vite pour. Donc, so, on a besoin de discuter qui genre test charge public a assemblé. Donc, so, encore, nous avons toujours un test charge public et juste qui genre a fait qui changer. So, kounya, yon nan ba yap gade, se ki la jouye. Sou gen mwens ke 18 an, ou bien plus ke 60 an, yo ka deside pa ba ou kat rezidans a kous de la jou. So, sa important pou moun ki konen ke nou gen paran nou Haiti, si nou gen maman nou gen papa nou Haiti, nou ta vle fe yo antre avek kat rezidans, nou ta komanse fe aplikasyon bien vit, paske apre, chanjman sa a pase, li kap vin pi difisil pou maman ou papa ou antre Etats-Unis. On l'autre bagay ap gade, santé ou. So, si ou malade, si ou gen yon pil maladie, si ou nan l'hôpital tout an, si ou pa gen assurance privée, si se sou kont l'état ou yon pou assurance, yo ka gade sa, yo ka di ki yo pa ba ou kat rezidans a cause de sa. Si ou gen yon pil moun ki vive la kay, ou pou pa gen yon pil kob, sou gen yon pil ti moun, yon pil moun ki rete avek ou, kouzen, maman, bay kon sa, yo ka di ki yo pa ba ou kat rezidans a cause de sa. Y ap gade kob ou tou, so y ap gade tout bagay finansyel ou, y ap gade si ou gen yon pil loye, tok sou gen loye kay, ou gen bil machin, pa kon sa si kredi ou pa bon, si ou gen yon pil kat kredi, yon pil bil kat kredi, si kredi ou pa bon di tou, yo ka deside ke yo pa ba ou kat rezidans pou sa. Si ou pa pale angle, ou bien sou pa pale angle bien, yo ka pa ba ou kat rezidans pou sa. Si ou te al ekol Etats-Unis, e pou deside ke ou pap travay. Se pa ke ou pa kap travay, ou jes deside ke ou pa vle travay. Yo ka deside ke yo pap ba ou kat rezidans a kous de sa. Lotan, tepi lop fi l'aplikasyon pou kat rezidans. Ou de kon jes fe yon affidavit di support, e pi affidavit di support lan te kon ase pou te ka jwen kat rezidans ou. Men apre chanjman sa pase, yo pap bay... Yap til mande yo pou affidavit di support lan, men affidavit di support lan pa pase pou ka jwen kat rezidans wan. Nan sutu sa, lop fil aplikasyon pou affidavit di support pou moun,
Si ou fil l'applikasyon an pou afile vide support lan pou an moun, epi koun ya moun sa jwen kat rezidans, epi koun ya moun sa vini ale resevwa an benefis publik, gouvenman ka vini bokoto mando repeye kob lan, paske lor fil afile vide support pou moun lan, ou promet gouvenman ke wap kon swen moun lan pou yo pa bezwen ale nan benefis publik. So, mde jes vle pale sou sa avek nou bien vit yo dia, mde bezwen jes ba nou ki sa ka pase nan imigrasyon avek chaj publik lan. Si nou gen ken kestyon nou vle pose, nou met voye yo nan mesaj nan video sa, ou bien nou ka rele mwen yo, bien voye mesaj pou mwen nan WhatsApp. Nime yo telefon mwen se 508-942-74-97. Nou ka voye mesaj pou mwen, ou bien nou ka voye voice pou mwen, ma repon ni, sou rele mwen nan telefon, ke de fwa mwen avek an lot kliyan, son baka repon li lor rele, so sil voupe souve mwen lo bak, jes ki ton mesaj pou mwen, mwen toujou rele tout mwen bak. Mwen souwete ke nou tere mwen video sa, sil voupe pataje li avek zami nou, avek fami nou, e bi sou nou gen ken lot kestyon de dosye imigrasyon nou, ou bien lot kestyon de imigrasyon nou ta vle diskute nan video kon sa, nou met voye mesaj an pou mwen ma feri. Mersi pokou, pason bon jounen.